Alors donc nous avons vu le semis, la plantation, maintenant on va voir l'entretien courant. Donc principalement ça va être de la taille et ça va être également donc fixer la tomate donc au tuteur. Pour ce faire donc vous avez le choix de matériaux de coupe, hein. Vous pouvez utiliser soit un sécateur. Alors personnellement je trouve ça un petit peu trop gros à utiliser donc pour les tomates et moi j'aurais plus tendance à privilégier l'épinette. En ce qui concerne la taille, il y a deux écoles. Donc c'est soit on taille, soit on taille pas. Mon conseil perso, vous pouvez bien sûr ne pas tailler vos tomates. Hein. Alors votre tomate, bien sûr, prendra beaucoup plus de place, donc à cause des gourmands. Mais en ce qui concerne les variétés agrofruits, je conseille tout de même à tailler. Car sinon ça va faire beaucoup de poids sur votre pied de tomate et vous risquez vraiment de l'abîmer. Par contre, en ce qui concerne les tomates cerises, bien sûr, vous n'êtes pas du tout obligé de tailler. Le principe, c'est simple, c'est que nous allons éliminer donc les gourmands. C'est toutes les têtes secondaires qui vont pousser. Pour les repérer, c'est très simple. Vous avez la tige principale qui est là et vous avez les feuilles. Donc les gourmands, c'est tout ce qui va pousser en fait à l'angle des feuilles et de la tige principale. Vous avez un très bel exemple juste ici. Et souvent, vous avez des énormes gourmands qui poussent à partir du pied. Alors, le fait de couper les gourmands, vous allez maximiser l'énergie, donc la circulation de la sève sur les bouquets à fruits qui sont sur la tige principale. En gros, ça permet d'avoir peut-être un peu moins de fruits, mais beaucoup mieux développés. Alors, pour attacher en fait le pied de tomate, c'est très simple. La méthode que je conseille plus, c'est de prendre une petite ficelle, peu importe le matériau. Donc faire d'abord un nœud autour du tuteur et ensuite hop, attacher la tomate. Mais ne serrez pas trop bien sûr la tige parce que la tige va grossir et elle va s'étrangler si vous serrez trop. Là où on sent que la tige tombe, hein, c'est plus au feeling. Voilà. Sachant que les fruits après vont faire du poids, donc c'est vrai qu'il faut bien maintenir, surtout c'est autour des fruits. Surtout si c'est des gros calibres où là, ça va vite tirer dessus. Ce que je conseille donc pour finir, c'est qu'une fois que votre tomate commence à avoir une certaine taille, c'est de couper les feuilles qui sont en bas. Ça va éviter d'avoir les feuilles qui sont en contact avec la toile tissée. Et quand il pleut, ça peut être en contact avec l'humidité et apporter des maladies. Quand vous avez ce genre de cas, donc un bouquet à fruits et à fleurs, et qui finit par du feuillage, vous coupez à la dernière fleur. Donc ça va éviter de prendre de l'énergie donc au futur bouquet à fruits. Alors les maladies qu'on peut retrouver chez la tomate, donc principalement et la plus difficile à gérer, c'est le mildiou. Le mildiou vient avec l'humidité et la chaleur. Donc ça se développe avec à peu près 60-70% d'humidité et à partir de 22 degrés, et jusqu'à 30 degrés. Alors par contre, sous chaleur sans humidité, le mildiou s'arrête automatiquement. Donc voilà, nous avons vu tout ce qu'il y a à faire donc, pour la tomate. Mais n'hésitez pas à consulter les autres tutos donc, sur la chaîne YouTube, les tutos du potager. Voilà.